Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur les Sims 4. Et oui, les Sims 4, comme je vous l'avais dit hein, de toute façon, dans la présentation de la vidéo, on va jouer sur les Sims 4. Je commence un let's play avec la Sims que j'ai créée. Donc je vous ai passé ça, hein. Franchement, c'était pas très très amusant. Bon, je sais, elle est pas forcément magnifique, mais j'avais pas envie de me casser la tête à faire une bombasse. Bon, après, faut dire qu'elle a quand même de belles formes. Et donc elle s'appelle Laura Fontaine, donc jeune adulte, une femme. Donc là j'ai rien changé, hein. C'est de base, démarche féminine, la voix c'est ça. Baisserait peut-être un peu le son du jeu. Donc elle a envie d'être une âme sœur, tu sais, romantique, membre d'un groupe de potes et bienveillante. Voilà, j'avais pas envie d'aller trop loin. Et au niveau des affaires, donc là j'ai. Donc elle a un tatouage à l'épaule, c'est les petits oiseaux. Donc elle a ça en quotidien. En habillé, elle a ça. Oui, ça fait classe, mature, enfin bref, on s'en fiche, j'ai pas. De toute façon, à mon avis, en sport, oui, je sais, ça c'est très moche. Donc là, on voit bien le tatouage. C'est très moche, mais j'avais pas du tout d'inspiration pour le sport. Pour le sommeil, c'est ça, c'est ce que je mets quasiment à chaque fois. La fête, ça c'est nouveau et j'aime bien, je trouve que ça fait frais. Et le maillot de bain. Enfin, c'est pas nouveau, hein, mais c'est la première fois que je le mets. Et je trouve que c'est frais. Voilà. Maillot de bain. Maillot de bain, effectivement, c'est pas non plus hyper. Hyper fou. Mais c'est largement ce qui est suffisant. Pardon. Donc, on va commencer. Et c'est parti pour. On va choisir une belle photo d'elle, hein, quand même. Voilà. Donc, vas-y, propose-moi encore la même. Voilà. Ça, c'est pas mal. Voilà. Donc, le but, bien entendu, c'est âme sœur, mais on va bien entendu attendre un peu de trouver l'homme parfait pour qu'elle se marie, qu'elle ait des beaux enfants. Et le but, c'est d'économiser un max ou de gagner à la mort ou enfin au mariage. De toute façon, j'utiliserai un code de triche, je préfère vous prévenir. J'utilise quasiment jamais les codes de triche, sauf des fois pour les besoins, mais c'est vraiment si je veux qu'il y ait un truc qui se passe très vite. Par exemple, que le boulot se passe bien s'il est joué ou si je veux qu'elle socialise toute la nuit avec quelqu'un, voilà. C'est les moments où j'utiliserai le code de triche pour les besoins. Sinon, je les utilise jamais. Et les codes de triche pour l'argent, Motherlode, j'utilise pendant un mariage. Tu sais, il y a les cadeaux. Enfin, je vous tutoie. Ce qui n'est pas logique. Mais enfin, ouais. Voilà. Donc, elle aura 50 000 en plus pour son mariage. Mais je ne pense pas que ce soit maintenant. Donc, on va prendre le taudis des marguerites. Ça a l'air très accueillant. Je vais regarder l'heure à laquelle j'ai commencé. Ok. Très bien. Donc, à côté de moi, j'ai une petite feuille où c'est écrit montage. Donc, à chaque fois que je vous dis, par exemple, là, je fais apparaître un chien. Normalement, il y a un chien qui est apparu. J'ai marqué chien. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'y arriverai ou pas. C'est quelque chose qu'il faut que je vois. Ce sera un test. Donc, s'il y a un chien qui est apparu. Avant, hein, je vais pas le mettre deux fois non plus. Eh bien, c'est que ça a marché et que vous aurez droit au montage quand je dis un truc. Après, sinon, tant pis, c'est pas grave. On fera 100 et on se débrouillera très bien. Bien. Donc maintenant, j'arrête de parler. On va au taudis des marguerites. On le prend meublé, hein, on va pas. Je vais peut-être baisser un petit peu la musique du jeu parce que je crois qu'on en entend assez fort. Donc je sais pas si je la réglerai. Donc si ça se trouve jusque-là, vous l'avez hyper forte, ça vous a cassé les oreilles. Option du jeu, audio, musique. Voilà. Oh, il me prend. Voilà, et je crois que c'est bon. J'applique les modifications. Et c'est bon. Ok. Donc voilà. Donc ça, c'est une maison que je connais relativement bien quand même. Je fais jouer beaucoup de Sims dedans. Normalement, on va pas tarder à avoir le comité d'accueil. Voilà. Si elle pouvait se bouger d'aller aux toilettes avant. Voilà, ça c'est bien. Et en attendant, elle regardera un peu la chaîne d'humour pour l'instant. Histoire qu'elle ait une humeur. Voilà. Donc maintenant, on va attendre le comité d'accueil. S'il vient. En fait, il n'y a personne qui l'aime. De base, ils ont su que c'était une chieuse. Il n'y a personne qui l'aime, il n'y a personne qui vient lui dire bonjour. C'est génial.
Franchement, bravo les voisins, bravo. C'est pas très gentil. Ah là là, je vous jure. Non, il n'y a vraiment personne. Putain, c'est méchant. Ça se fait pas, la pauvre. Bon, c'est pas. On va aussi direct lui faire avoir un boulot, comme ça elle pourra travailler dès demain. Et ça, c'est vraiment cool. Ah, le vieux là, c'est qui? Oh, enfin, de toute façon, il est vieux. Mais il avait l'air d'être beau dans sa jeunesse. Non? Vous trouvez pas? Thierry Martin. Dans sa jeunesse. Qui a l'air vachement lointaine, mais bon. Ah, voilà. Bon, ceux-là, ceux que j'ai avec. Au travail, les Sims au travail, pardon. Je bug un peu. C'est normal, c'est la fin de soirée chez moi. Enfin, c'est la fin de la journée, je suis un peu fatiguée. Mais bon, je vais quand même me donner à fond, histoire d'être encore plus fatiguée à la fin de la vidéo. Donc ceux-là, je les ferai pas. Je les ferai pas parce que. Sauf si vous me le demandez. Mais pour l'instant, je vais pas le faire. Comme ça nous permettra d'avancer dans ces relations. Donc on va faire agent secret. Voilà. Le truc qui est extrêmement mal payé. Mais qui j'espère ira bien. Voilà. Donc ça c'est bon. Toujours pas de comité d'accueil? Bon, bah, c'est nous qui allons aller vers les gens. Donc, qu'est-ce qu'il y en a? On va faire. Non, merde. Ah bah si, il est là le comité d'accueil! Stop! Alors, on a bien fait d'entendre encore un peu. Tiens, par contre, tu restes là. Voilà. Donc voilà, donc c'est. Il n'y a personne qui, en fait. Non, c'est. Vraiment, il n'y a personne qui nous aime. Comité d'accueil. Ah si, il y a elle là. Elle a l'air chiante, elle, je sais pas pourquoi, elle a l'air d'une grosse canine. On va aller ici, on va les accueillir. Pourquoi il n'y a que des vieux qui viennent? C'est pas très gentil tout ça. Mais toque pas, je suis là, imbécile. Invitez le ou les voisins. Bien. Voilà ça. Ah, il nous a apporté le fameux cake aux fruits. Accueillir le nouveau voisin. De toute façon, il va falloir que tu les accueilles tous. Présentation amicale. Tac tac. Tac tac. Elle arrive, elle prend le cake. Bonjour, bonjour. Alors. La meuf, elle arrive. Oh, franchement, les jeunes du quartier, ils sont vraiment chiants. Je comprends pas. On va les remercier d'être là. On va leur dire que c'est un très bon cake aux fruits. C'est un des plaisirs que nous ayons pu discuter. Et elle est déjà partie, elle, ça y est. Elle n'a pas prévu de rester. S'enthousiasmer à propos du repas. Dis-lui que c'est bon, que c'est fabuleux. Que vous allez vous marier. C'est la meuf qui s'emballe trop vite. J'aurais voulu l'indiquer. C'est pas gentil, ça. Hein. C'est pas très. En fait, je croyais qu'elle était belle et tout, mais en fait, non, elle est très moche. Elle fait peur, on dirait une sorcière. Une méchante sorcière. Les saveurs de la nourriture. C'est surprenant. Oui, parce que j'ai aussi les Sims au restaurant. Donc on va être invité au restaurant et tout. Ça va être cool. Moi, je vous dis, ça va être très très cool. Moi, je te remercie d'être là. T'es le seul mec à être venu. Pourtant, elle est bien. Pas magnifique, mais elle est bien. Elle a fait une imitation. Ouais, très très cool ton imitation. Franchement, génial! Génial! Raconte des ragots un peu. Tu viens d'arriver, mais tu connais déjà tous les ragots, tu connais. S'enthousiasme. Ouais, elle a pas l'air d'aimer le plat, mais bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Là là, je vous jure. Donc d'ailleurs, à propos de la durée de la vidéo, ça durera entre un quart d'heure et 20 minutes. Normalement. Ah là là. Et on essaiera de se trouver un beau gosse. Et si on n'en trouve pas, on en créera. Hein. Enfin, j'en créerai en off. Hein. Je vais pas vous faire vivre. Ça, c'est pas forcément hyper intéressant. Il n'y a pas beaucoup de blagues à faire dessus. Donc, c'est pas forcément un truc que je filmerai.
Mais si jamais au bout d'un certain temps on ne trouve pas de personne à notre goût, on ira en créer. Hein. Ma mère, félicite-le bien sur le repas, c'est gentil, faisons connaissance. Mais fais pas trop connaissance parce que sinon après tu vas vouloir te marier avec. Ah là là. Ah donc. Ok, très bien, lui est sûr de lui, c'est génial. Je vous jure. Hop, donc on va les laisser un peu bavarder tranquillement entre nouveaux voisins. Ok, ouais. Ah, donc c'est sympathique, c'est sympathique. Donc voilà, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne parce que c'est soit la deuxième vidéo, soit il y a peut-être Bob le Gamer qui en a fait une avant. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Parce que c'est pas forcément. Bon, si ça peut plaire à tout le monde, c'est du gaming de toute façon. Si ça te plaît pas, c'est que vraiment t'es difficile. Hein. Hop, qu'est-ce que c'est qui ça? C'est pas la pancake, si c'est la pancake. J'ai un magnifique accent anglais. Hein. Pouvez pas tester. Elle est en colère, elle? Ah non, elle est mal à l'aise. Pourquoi t'es mal à l'aise? Donc voilà. Donc oui, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. J'espère qu'elle vous plaira. Ça, on va direct le jeter sa merde parce que c'est dégueulasse. Voilà. Mais c'est qui a laissé son assiette traîner comme ça là? Ils sont vraiment pas respectueux les gens. Sinon, on a une magnifique petite télé qui est très moche hein, en fait, toute petite, comme un meuble totalement vieux, moche et abîmé. On nous a donné un meuble abîmé, non mais allô quoi. Franchement, ça me déçoit quoi. Ah donc voilà. Donc oui, donc les vidéos un quart d'heure 20 minutes, ça restera un truc assez court, mais comme ça on vous tient en haleine. Vous voyez ce que je veux dire? Comme c'est court, vous pouvez en regarder plus si vous commencez à regarder le let's play en plein milieu. Donc c'est plutôt cool. Moi je trouve ça sympathique, puisque ça fait environ 3-4 en une heure. C'est sympa. Bon pour l'instant il n'y en a qu'une en une heure parce que c'est la première. Donc si vous la regardez quand elle vient de sortir, c'est compliqué de regarder à la chaîne. Alors qu'il n'y en a qu'une. Enfin bref, vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Voilà. Ok, bon, ça va pas tarder à être fini, c'est plutôt cool parce qu'ils sont sympas, mais ils se prennent un peu pour les rois du monde. Bonjour, viens là que je lis un livre alors que je suis en train de d'accueillir ma voisin, mon voisin. Je vous jure, dans 23 minutes, enfin. Ah là là. En fait, il est moche, hein, mais. C'est un ado, non? En plus. Oh non. Non, mais il faut qu'on trouve des beaux gosses. Mais on fera ça après, on fera ça après. Vous en faites pas. Mais lui, attends. D. Hop, lui, c'est un vieux, ça veut pas tarder d'être un vieux, ouais, c'est un adulte. Lui, je le verrais bien gay en vrai. Ah là là, je vous jure. Alors sinon, bon, on va sortir un peu. Ah, au revoir. Enfin, au revoir. Salut. 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 Bon, vous ne pouvez pas voir, mais non, je fais au revoir de la main aussi. Donc sinon, pour sortir un peu de l'univers des Sims, même si là, je vais continuer à jouer, je vais vous parler. Elle est enjôleuse. Très bien. C'est con, le mec qui vient de partir, mais bon, c'est pas grave. T'aurais pu l'être avant. Donc. Oui, donc je. Putain, ils ont laissé le livre. Oh, ils abusent. C'est pas très gentil, ça. Donc, pour sortir un peu de l'univers des Sims, hein,
Je crois que vous en avez beaucoup entendu parler de l'application Pokémon Go. Bon, à l'heure où je vous parle, elle n'est pas sortie sur l'App Store, mais j'ai, comme beaucoup de monde, hein, je suis consciente, j'ai réussi à l'obtenir. Qu'est-ce qu'elle fout? Non, non, non. J'ai réussi à l'obtenir. Et franchement, c'est assez sympa. Franchement, c'est bien fait. Après, c'est dommage qu'on puisse pas, mais à mon avis, ça arrivera avec les prochaines mises à jour, qu'on puisse pas faire des combats avec d'autres dresseurs. Mais franchement, c'est assez sympa. Franchement, j'ai trouvé ça génial. Voilà, c'est pas du tout un placement de produit parce que vous vous doutez bien qu'avec 2 abonnés, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont intéressées pour demander des placements de produits. Mais franchement, je vous dis ce que je pense. J'ai trouvé ça génial. Moi, j'ai rejoint la team rouge, donc la team bravoure. Je vous invite à la rejoindre, hein, comme ça on est tous ensemble. On est où? Là, là, lui, là, il a l'air pas mal. Tous ensemble, on est tous ensemble. Et tous ensemble, on défoncera les équipes jaunes et bleues. Il faut qu'on rejoigne tous la team rouge, qu'on reprenne toutes les arènes. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. C'était ma petite envie de créer un groupe. Défoulez-vous dans les commentaires. Même si, à mon avis. Oula, il y a le micro qui vient de tomber. Même si. Même si, à mon avis, il n'y aura pas non plus énormément de commentaires. Défoulez-vous, vive la team rouge. Bon, après, si vous êtes sur les optimes. Bon, après, voilà, on a tous des défauts, quoi. C'est pas grave. Vous pouvez quand même vous abonner. Mais bon. Allez, la team rouge. Bon, ensuite, j'essaierai de sortir un peu, histoire de voir quels sont les beaux mecs. Oh, il est 17h, on pourrait direct aller le faire. Ouais, on va faire ça. Allez, on va la faire se bouger un peu. Hein, c'est pas tout. Mais on va. Donc ça c'est cool parce que en fait, c'est sympa qu'ils aient fait le comité d'accueil. Parce que comme ça permet de connaître des Sims dès le début de la partie. Après, c'est dommage que voilà, ce soit pas non plus les plus beaux Sims ni rien. Mais. Ok. Donc là, c'est vrai, il n'y a personne. Ah ça, je les connaissais pas, les jolies, voyez-vous. Et voyez-vous, donc non. Ça, c'est les gothiques, hein, mais pas très intéressant. Les Martins. Non, ils sont vieux. Les Spencer Kim Lewis, non plus. Non, donc pas à Willow Creek. Allons voir à Oasis Spring. Les Plaines aux As, non. Lui, je trouve qu'il a grave une gueule de gay. Après, je suis pas homophobe, franchement, j'ai rien contre du tout, mais alors pas du tout. Ok, Genoveff, bof. Les Calientes, il y a lui, mais lui. Enfin, le problème avec Don Lotario, c'est qu'une fois que tu te mets dans une relation sérieuse et que tu dois jouer le Sims, il est assez chiant. Parce qu'à chaque fois, il fait oh, je suis dégoûté, je suis en couple, oh, ma vie est nulle, oh. Bon, du coup, on va aller voir John, machin bidule chouette là. Donc, allons-y, j'espère qu'il est à sa maison. Allons voir ça. Bon, et pareil, hein, quand il y a un Sims qui emménage à la maison, il y a un peu d'argent qui entre. C'est normal, hein, il faut qu'il paye son arrivée à la maison, qu'il paye le loyer et tout. Enfin, moi, je trouve ça normal. Va frapper à la porte. En plus, elle est encore enjôleuse, c'est nickel. Enjôleuse combien de temps? 3 heures. Nickel! Je crois qu'il est juste là. Ah non, c'est pas du tout lui. Alors, où es-tu? Il est là. Présentation dragueuse, c'est parti. Wouhou! On s'en fiche, on rentre chez les gens comme ça. Et nous, on va direct faire chier le mec qui est sur l'ordi. Voilà. Voilà, en plus, on est direct dans la chambre. Nickel. Donc, on l'aborde, tu vois, se renseigner sur la vie amoureuse. Si tu pouvais juste un petit peu t'occuper de moi, si tu pouvais t'occuper de moi, non mais franchement, ça m'aiderait beaucoup. Bon, ça va, franchement, tu pourrais pas éteindre l'ordi, mais genre faire une blague salace, vas-y, fais-moi rire. C'est un pas, ça, non, fais chier. Conversation subjective. Subjective. Là, moi, tu vois, tout à l'heure, je parlais à un homme et on faisait une conversation très subjective. Non.
Non, pas success hunting, j'arrive plus à... Je vous ai prévenu, là, cette vidéo-là, je suis un petit peu fatiguée, mais c'est pas grave. Et tiens, d'ailleurs, n'hésitez... Oula, qu'est-ce qu'il fait? Tout, 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 tout. D'ailleurs, en parlant, en revenant sur Pokémon Go, hein, n'hésitez pas à m'envoyer des screens sur, j'allais dire sur Twitter, mais non, en fait, pas du tout, dans les commentaires de vos Pokémon. Hein, c'est assez sympa qu'on fasse une petite compétition. C'est toujours sympathique. Alors, on se connaît pas, mais je t'avoue direct, mais mon attirance, je pense, je me... Et ça a bien marché en plus. C'est parce qu'elle est enjôleuse. C'est parce qu'elle est enjôleuse. Envoyez-lui un baiser. Non mais allez, moi j'ai envie que ça aille vite, tu vois. Faut que ce soit intéressant quand même. Donc voilà. Dès que c'est rose, je clique. Hein. J'essaye de ne pas faire 46 fois la même chose. Premier baiser, allez! Et ça va vite. En général, j'essaye qu'ils soient quand même un peu plus amis avant que ça parte autant. Mais bon, après, j'ai envie de dire, faut bien qu'ils s'amusent. Et puis de toute façon, ah, premier baiser. Attendez, stop, stop, stop. Non. Oh merde. Je veux que ce soit la miniature. Bon, ça peut l'être. On va les faire s'embrasser, s'il vous plaît. Attends, re un premier baiser. Attendez, alors là. Je sais pas du tout, mais alors pas du tout comment. Non, non, 0, 0, 0, 0. Tout, tout, tout. Je t'ai pris pour qui? Comment on fait? Je voudrais virer. Donc si vous le savez dans les commentaires, parce qu'à mon avis. Oh putain, j'ai trouvé. Pardon. Voilà, virer tout ça là. Voilà, c'est ça que je n'arrive pas à faire depuis. Vas-y. Voilà. Ok. Donc là. Faut que s'il refasse. Ah oui, non, embrasser, pourquoi pas. Mais il me faudrait une jolie perspective. Sans le frigo, en fait. C'est le frigo qui me gêne. J'avoue que le frigo ne m'aide pas beaucoup. Sinon, ce qu'on peut aller. Sinon, voilà, ils vont aller là. Ou alors. Est-ce que s'ils vont là, qu'on remet les murs. Ok, non, pas du tout. Voilà, comme ça, comme ça. Vas-y, c'est parti. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu le fais exprès. Attends, stop. Alors, vous voyez la galérance. Bon, bah finalement, je crois qu'on aura le frigo. Bon, quand tu veux, hein. Et vraiment, quand tu veux, quoi. Maintenant, ok, non, mais... Mais je retiens, je retiens, je retiens. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, ça c'est ma miniature. Je crois que je réussirai même à virer le prisme. Voilà, ça c'est cool. Nickel. Je crois qu'il est un petit peu imbu de sa personne, si vous voyez ce que je veux dire. Et maintenant, on va lui demander d'être son petit ami. J'espère qu'il va accepter. Oui, il a accepté. Voilà, c'est son petit ami. C'est génial. Youpi. Bon, bah du coup, hein, on va en profiter un peu. Ils vont pouvoir... Et je crois que c'est là-dessus qu'on va se quitter. Oui, exact, je crois que ça fait un petit moment que je suis avec vous quand même. Hein. Donc je crois que ça va durer un peu plus que 20 minutes, mais c'est pas grave, c'est le premier épisode. Donc, ouh, dans la chambre rose. Avec un sac d'écolière, c'est un petit peu. Bon. Voilà. Très bien. Bon, je vais vous laisser là-dessus. C'est parti. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et un commentaire, bien entendu. Donc envoyez-moi vos screens sur Pokémon Go. Comme je l'ai dit dans la vidéo de présentation, je pourrais pas filmer malheureusement, mais j'aimerais beaucoup le faire. Tant pis, c'est pas grave. Je trouverai peut-être un moyen. Mais bon. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Enfin, je sais pas, des bonnes vacances. À la prochaine. Ciao. Allez. Ciao, ciao!